C'est important pour Paris 2024 effectivement d'être ici au Groupama Stadium à Décines parce que vous le savez, dans le cadre des Jeux, Lyon, Décines vont être au cœur de ce dispositif. 11 matchs du tournoi de football seront organisés ici. C'est la ville de France où il y aura le plus de matchs de football dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Et donc on a voilà, des échanges pour préparer cette organisation. On est à un peu plus de 500 jours du début de l'organisation des Jeux. Et donc, voilà, c'était important pour moi de venir rencontrer les équipes autour de Jean-Michel Aulas, notamment, mais aussi des élus locaux, pour m'assurer que les choses avançaient dans la bonne direction, et ce qui est le cas. Et puis j'en profite pour rencontrer voilà, des élèves d'une école d'à côté, et c'est toujours sympa voilà, d'avoir ce genre de petits échanges. Effectivement, les choses deviennent vraiment très concrètes puisque la billetterie va s'ouvrir là, d'ici quelques semaines, à partir du 15 février officiellement. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire sur la plateforme pour participer au tirage au sort. Donc, il y a une seule plateforme, c'est ticket.paris2024.org. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire, c'est très rapide. Et puis ensuite, le tirage au sort aura lieu début février. Et donc, à partir du 15 février, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, millions de personnes qui auront accès à un programme de plus de 13 millions de billets en vente. Donc c'est le début du 15 février et puis ça va durer jusqu'à l'année prochaine. Mais ici, bien évidemment, sur le Groupama Stadium, il y aura déjà beaucoup de billets puisque 11 matchs et notamment les demi-finales, la petite finale du tournoi féminin auront lieu ici dans ce superbe stade.